Nous couvrons le podium de la cinquième épreuve de la saison du côté de Zandvoort. Et voilà, on a vu Korhuizer, dont on n'a pas trop parlé depuis le début de cette saison 2006, alors qu'en 2005, il s'était imposé sur sa Marcos de toutes les couleurs. C'est, en 2006, ça a été un petit peu plus en demi-teinte pour lui. Toujours aux Pays-Bas, nouvelle manche du côté d'Assen à présent. Et toujours énormément de monde dans les gradins d'Assen. Ça et on se souvient de cette image. Ah, Lex van der Meyden qui a malheureusement eu un problème au niveau de son capot. Il voyait plus rien, il a dû s'arrêter. La grosse bagarre avec Hanson Baum qui finalement va remporter la victoire. Allez, un petit mot également de la catégorie Supersport, toujours sur ce tracé d'Assen aux Pays-Bas. Ouais, Richard Vandenberg qui a tenté de prendre la troisième position après l'abandon de la Mégane. Peter Van Zolen a pris la deuxième place. Bas Barenbro en catégorie sport a mené longtemps les débats. Malheureusement, il y a eu un problème de panne d'essence tout simplement. Ça, c'est un petit peu rageant. Et finalement, c'est Kees Kruyne sur la Mini qui s'est imposé direction Silverstone. Pour une des images de la saison, ce crash alors qu'il était en pole. Et c'est Korhuizer en plus de ça qui a été un petit peu malchanceux durant toute la saison. Là, il fait une pole. Il fait même pas 50 mètres avant de finir dans le mur. Et malheureusement, ce qui veut dire aucun point pour lui. Ah, c'est Lex van der Meyden qui a remporté cette course. Hanson Baum n'aime pas trop le circuit de Silverstone et il prend seulement la troisième position derrière l'Astra DTM. Allez, enfin, pour conclure cette saison, on arrive à la fin avec une nouvelle manche du côté de Spa-Francorchamps. Et oui, Lex van der Meyden qui a complètement explosé sa Marcos dans une des parties les plus rapides à Eau-Rouge sur le circuit de Spa. Et donc ça a été un week-end un petit peu noir pour lui, très difficile. Et c'est Hanson Baum qui, lui, a récolté les points de la victoire. En super sport, grosse bagarre entre Richard Vandenberg et Peter Van Zolen. C'est Richard Vandenberg qui s'est imposé finalement. Et du coup, le championnat sera conclu seulement lors de la toute dernière manche pour la catégorie Supersport. Dernière manche qui a lieu de retour aux Pays-Bas, dans l'antre du Dutch Supercar Challenge à Zandvoort. Hij is binnen. En die pakken ze onze pas niet meer af. Forcément, la joie dans les rangs des vainqueurs. Voilà pour cette saison 2006, saison assez exceptionnelle, énormément de bagarres à tous les niveaux. Et c'est vraiment ça que l'on admire ici dans le Dutch Supercar. Voilà, avec en Supersport Peter Van Zolen qui a sécurisé sa place de leader au championnat. Et c'est Hanson Baum qui a remporté le championnat en catégorie GT.